Oui. Boom, boom. I'm out. As I would say, yeah man, this is Jabux the Angola General representing for DJ Idol, as I would say, and we represent pan the rough and tough vibes, you know what I mean, in Dakar, Senegal, as I would say, call Angola, call Angola, up on Africa, Angola, call Angola, Gwe Babylon, Gwe Gwe Dutty Babylon. Gwe, gwe, we you can't imply, you can't stop with I, no I. Jabux, representing for DJ Idol. Yeah, man, I'm James Johnson, vibes, DJ you know Idol. Dakar, Senegal. Yeah, the man Big is, up on the Rastafari self. Catch up, yeah, now. Yeah, now. Yo, this is Ginger, the reggae soul man. And right now, me I represent for DJ Idol. And me I say DJ Idol, you're rough and tough. Yeah, the modest bodies, yeah now. I can be your hero, baby, yeah. DJ Idol will take away the pain. Yeah, man, I'ma tell them, say, a DJ Idol in a y'all hear me? Far FM 93.6. Don't move the dial, just like that. Ah, you understand that. I'ma do my lima tuga. That's how my life finger tuga. One day, so yeah, the mud of mud. Let the super to take. Yes, I salut à toutes et tous, salut, Mélaman, bienvenue encore une fois sur la meilleure fréquence de la bande FM DJ à la zone de microphone by Fall Nena de Tang, Jer de la Canifaya. Vous avez compris, il est à présent 16h passées de 13 minutes, comme vous l'avez dit. On est aujourd'hui mercredi 10 février 2021. Refonte vision de place de Idol de Koy Tangal, Mouy Tang, Jer de la Canifaya. Comme vous l'avez entendu, fond sonore bi ñuy dégg, ñu bari xam nañ ko. Le groupe PVS en compagnie de Mansané. Xam nga ñuy wax Saint Valentin. Aha, lan motax? Lan motax muy xol ci posam? Ki ngeen di dégg ni il s'appelle DJ Awadi de Sependana légui ci kanam mu tok jakarlo ak man ñu daali waxtaan ci yu béré béré. L'incontournable DJ Awadi, the King of King. Ya man zin. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment via Facebook Live, via YouTube, via cette belle fréquence 93.6. Et si tu viens de nous prendre en cours, sache que tu es sur la même fréquence 93.6 Far FM. L'incontournable DJ dans zone de microphone, l'émission s'appelle Revente. Ils sont nombreux à nous suivre. Du côté de Woka, elle s'appelle tout simplement Montana. Elle s'appelle aussi Seynabou Faye. Merci à vous, ça fait plaisir. Sin. Wow. Yo DJ Idol, pull up them tune, man, and release it again. Six Jah Defender, the rough and tough show, the baddest show, Saint Africa, Senegal. FAR FM, yeah, 93.6. You got the trend. L'incontournable DJ Awadi, pionnier du rap en Africa, co-fondateur du groupe PBS, Mr. DJ Awadi, avec lequel il sera d'abord fait connaître à la fin des années 1990. Le Sénégalais de son vrai nom, DJ Awadi, ils ont de place to be. Et bien, il faut des tangs, il y a de la canifère. Sa démarche autant artistique que militante a fait de lui un élément fondateur, fédérateur plutôt, de cette scène rap reggae africaine. DJ Awadi est né en 1960 à Dakar, où il a grandi au sein d'une famille d'instituteurs. Amna solo, parce que beaucoup qui sait, quand vous êtes instituteur, moi n'y a pas de nous jangler. Les jangler quatre mois, moi n'am de femme nous m'y dohe par rapport à l'éducation d'homme. On le voit en lui. Écoute ça. Le tac,
they said that. My father just saw my call me. But tell me, you're not hell yet. That day, look, it's mom, Dina West. Little mom, and the rest. They're losing your sweet, your mind. So, but they cannot. Yaman, yeah, si tu veux nous prendre en cours, ça se que tu es sur la meilleure fréquence de la bande FM 93.6. L'émission s'appelle Refun Talk Idols on the microphone. Et bah, il faut que les gens soient en train de faire fond sonore. Ils sont en train de faire peut-être des enfants. Ils sont en cette belle combinaison entre Mansan et le groupe PBS. Quand on parle de PBS, on va passer à celui que l'on nomme tout simplement de Zopandanan. Mr. DJ Aoudi est là avec moi, je vous l'avais dit, gars. Je sais que nous sommes en train de salam alaikum, grand. Alaikum salam. Ça fait un plaisir de vous avoir sur Phare FM dans l'émission Rough and Tough. Yeah, Rough and Tough. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Très content d'être là aussi. Merci beaucoup. Merci. Eh, mais dites-moi, Lille, nous l'avez fait, Lille. Allez, c'était une compilation Sénérable, je pense. Ouais, bien sûr. Et, très beau morceau qu'on avait fait avec Daniel Gomez de, qui avait fait le morceau. All right. Et on l'avait enregistré chez Aziz Dien, au studio d'Aziz Dien avec Massané de Waflash. Yeah, man. Bon, studio est Bury Woolwong. Non, il n'y avait pas beaucoup de studios, il n'y avait pas beaucoup de gens aussi qui savaient programmer, surtout du reggae. Effectivement. Et nous, on avait envie de faire ça, on avait... c'est une reprise en fait. All right. Et on avait envie de reprendre ce morceau, donc c'est un truc qu'on a écrit, Tartaf. Yeah, et après, voilà, les Degiti et Massané ont exécuté ça à merveille, quoi. Mortel. Et vous savez pourquoi je l'ai choisi? On est dans une émission reggae, Refonte. Et pourquoi je me suis dit que pourquoi pas ne pas avoir cette combinaison entre Massané et le groupe PBS, ça fait plaisir. En parlant de ce son aussi, bientôt 14 février. Yeah. On parle d'amour. T'es son envie de finir, l'aura immortalisé. Ah ouais, c'est ça. C'est yeah, l'amour. C'est yeah. L'amour. C'est aussi l'amour sincère qui n'est pas basé sur l'argent, quoi. Donc, yeah, man. L'amour tangay khol si sama poche. Wow. Donc khol si sama khol. Voilà. On écoute, on va découvrir avec vous, les amis. Il fait partie des pionniers du rap gars en Afrique, hein. Le fondateur du groupe Positive Black Thought, avec lequel il s'est d'abord fait connaître à la fin des années 90, le Sénégalais DJ Aoudi. Et sa démarche tout à fait autant qu'artistique. Il est aussi un fédérateur, hein, à travers ses messages, à travers aussi sa musique. Yamanzin. Vous êtes carrément tout dit par ni oubli téléphoné, comme dans les gars, ils sont venus, ils sont. Si vous avez des questions, Yaman Zin. Yaman, boum. I love you, mama et bagel, vous avez compris, ça fait plaisir. Quand on parle d'amour, je voudrais bien savoir par rapport à DJ Aoudi, peut-être que nous avons des questions, nous pouvons poser des commentaires, nous pouvons dire Carlo. Dites-moi, quand est-ce que vous avez senti que vous allez faire de la musique? Wow, ça je sais pas, c'est depuis qu'on connaît Boy, comment nous avons commencé avec Breakdance and Smurf, mm-hmm. à ma fête, et puis du déglou, ben la musique beaucoup de rap. All right. Donc mon air, nous avons commencé du Topondo américain, Jeki, nous avons commencé du Google Eye français, et puis après nous avons Google quelques mots Wolof. All right. Et après on a compris que bon, soit qui yoke Wolof, mais carrément ça va prendre. Mm-hmm. Et à partir du moment où on a mis beaucoup plus de Wolof, les Sénégalais se sont retrouvés dans notre délire. Right. Et puis après, voilà, après c'est l'histoire, quoi. On a eu des titres comme Kubagabagana Djoko, Boulfale, Kamanyo, Kamanek Benetup, Gartone, et puis Gaï commencé, voilà, avec le rap, quoi. Yeah, man, yeah, man. Dites-moi, parce que par rapport à mes recherches, Khamnane, vous êtes, vos parents, c'est des instituteurs. Ouais, est-ce que il n'y avait pas une difficulté quelque part côté de Saint-Dom pour Doug's Music? Est-ce qu'il y a une quelque difficulté par rapport si, à ça? Si, mettez-on, parce que son papa de Don Djangalé, son yaya de Djangalé. Donc, c'est deux instituteurs. Mon père vient du Bénin, instituteur béninois. Yeah, donc, son yaya est institutrice. Elle a fini inspectrice de l'enseignement cap-verdienne. Yeah, bon, on dit ça d'origine, mais bon, après, tous les deux sont Sénégalais. Yeah. Nous, on est nés là. Donc, on est.
on grandit dans un milieu enseignant catholique. Donc enseignant catholique des gëna metti enseignant tout court. Xam nga ñom dañuy metti quoi. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que son papa donne jouer clavier ci église. OK. De donne jouer à l'orgue dans les églises, donc musique mi ñon ci galle bi. Et puis du côté de ma mère, moi famille Césaria Evora. Donc musique dal mu ngi ci dérèt bi. Donc tant que amone nga ay note yu bax, mu nga def musique. So la djé nañu né le non, pas de musique. Donc sama punition moy no music. No music. Donc voilà, c'était dur, mais donc si tu amenais de bonnes notes, tu pouvais faire de la musique. Donc on se débrouillait chaque fois pour indi ay notes, nga xamné dinañu bay ñu def suñu passion. Ligène bëgg. Ça fait plaisir, vous avez compris, si vous venez de nous prendre en cours, on est en compagnie de ce pandanan de la musique hip hop culture urbaine bo xamné Sénégal la nek. Bay fa nénal day tang ci la Kalifa juste après l'album de Boulfale en 1994 avec qui vous avez fait avec PBS, entre parties, on pense à Dagiti. Wow. Son frère non Amadou Baré. Yep. Comment vous viviez ces paroles? Nous avons connu Dundé. Non, faire le boy c'est capable. Comment nous bon, nous sommes que Dundé, nous sommes que Diesel quoi. Donc faire le boy c'est capable de nous y aller avec musique. Nous connaissons une fille à DJ qui vient c'est capable. Et puis passion bi dafa yag ci ñun deug ti don breakdance this month man mais breakdance this month bala ñu commencer rap sax donc bu mu ñëwé aussi succès bi puisque yaangi at ce gars ko ñi xama tu n'as pas la grosse tête xama mëno gaay dina baye ngay planer xama di jaay affaire parce que bir sikap mom kenn mënul jaay kenn dara donc xama et donc quand c'est venu. On a eu la chance, on a eu beaucoup de grands frères, ils nous ont aidés, nous bagnons pété plomb. Et donc ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont encouragés, ils nous ont encadrés. Et puis après il y a eu beaucoup de grands frères, comme on dit Moïse Ambroise Gomis, comme on dit Baba Mal, comme on dit Demandir Nessan, Demtial. Et on a eu beaucoup de grands frères comme ça, ils nous ont accompagnés. Et c'est ça qui fait que bon, on a pu faire cette petite carrière. Yaman, vous avez compris, il s'appelle DJ Audi, cette petite carrière bi nga xamné mom daf ko dund ak l'incontournable aussi Dagiti juste après Boulfale en 2001, parole d'honneur cadre gore. Toujours sur la même philosophie. Wow. C'est-à-dire lan mo waral cadre gore? Cadre gore, c'est quand je suis allé en solo, j'avais un message un peu révolutionnaire, donc c'était une parole d'honneur. Voilà, et donc il fallait que je sorte de l'eau ramener d'où personnalité PBS, c'est ma personnalité Bopol. All right. Et donc, toujours en partant de philosophie PBS, mais York qui y a une femme un peu plus panafricaniste, un peu plus révolutionnaire. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous avons le premier album solo Bobo. Et puis après, voilà, ça aussi, il y a le Def Tin Dor Bossed. Et puis, il y a eu un gros succès. Quelques temps après, j'ai eu le prix RFI. RFI, effectivement. Donc, voilà, parole d'honneur, c'était vraiment pour me positionner en tant qu'Awadi et alright, pas en tant qu'Awadi de PBS. Alright, je comprends. Tu vois, il fallait faire le distinguo parce que mon imposer sa personnalité groupie, il fallait que me def l'enen. Voilà. Alors qu'il y avait quelque chose en toi que tu voulais montrer tout simplement à tes fans ou bien à la population en grosso modo. Non, c'était à moi-même d'abord. Alright. C'était à moi-même. Alright. Il fallait que je me. J'avais des choses à dire, tu alright vois. Et ces choses-là, c'était des choses personnelles. Donc. Comme sonné que tu es un groupe, tu dois respecter personnalité ou groupe. Effectivement, concept. Voilà, tu dois connaître des bails tout pour personnalité ou groupe. Sonné que solo, tu dois développer le nerf. Donc voilà, c'était un peu ça. Et, mais toujours la philosophie, même si la plus importante dans ma vie, c'est la philosophie de PBS. Yeah, la philosophie de PBS, by far, Nenal Day Tang, Jerry Lakini, if you don't know, Nayin, écoutons ça. DJ Idol, Refantop, DJ Idol, Refantop, I'm here to come, run it, DJ Idol, Blazing Fire, Blazing. Elle me vient de Thomas Sankara, me vient de Gandhi, elle me vient de Nelson Mandela, ma révolution, c'est un hommage à Samora, elle me vient de Samori, s'analyse dans le Guevara, ma révolution, elle me vient des Mao Mao, de Mars à Lénine, pour la Chine, y a même du Mao, ma révolution, au Bénin, elle vient de Béansin, je la crie, je la répète, elle me muise, ma révolution, elle porte un nom, France Panon,
L'année de la terre est nécessaire, quel est son nom, ma révolution. Malcolm X, Martin Luther, le continent va mal, je le sais pourquoi le terre, ma révolution. Crois mes coups, ma panafricanisme, et je me bats contre l'anticamitisme. Ma révolution, je suis un activiste musical, rebelle et marginal, Awani, super radical. Ma révolution, ma révolution, vous avez compris. Dites-moi par rapport à ce son, ma révolution, vous avez cité quelques noms, figures emblématiques, wow. Peut-être noires. Lan lañ la def? Non, ñun ñuma inspiré. Okay. Suma jëlé mic tay, suma ñëmé wax lu may wax, c'est parce que dafa am ño xamné dama jangé ci ñom, ku melni Frantz Fanon, ku melni Kwame Nkrumah, ku melni Thomas Sankara, ku melni Cheikh Anta Diop. Donc tout ça c'est des noms qui m'ont inspiré, tu vois, ça va de Malcolm X à Martin Luther King, de Mandela, tu vois. Ñun ñëpp so xolé sen parcours amna lo ci jang. Donc luma ci jang moy il faut que ñu arriver à un moment, à un état de révolution, à un stade de révolution, si on veut passer à une vraie liberté pour le peuple noir. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes africains qui ont ramené, peut-être dans qui beaucoup gagnent, mais de faire mettre. Et souvent, on les voit, ils ont le gali, du dem. Ben xarit la doon waxtana mune pour mom lol fuite de responsabilité la war nañ mëna tok liguey défarat Afrique défar Sénégal lan moy ce point de vue par rapport ak lol ce n'est pas aussi simple c'est pas une fuite de responsabilité man j'ai eu la chance entre 2006 et 2010 def ben film avec beaucoup d'enquêtes filmé dans beaucoup de pays sur cette question de l'immigration donc mais tu te rends compte qu'aujourd'hui quand tu es noir tu es en Afrique, dans ton propre pays, tu ne peux plus rêver. Les politiciens ont presque tout volé jusqu'au rêve. Quelqu'un qui n'a plus de rêve, il ne te reste qu'une seule solution, c'est de partir là où le rêve, où tu as l'impression que le rêve est encore possible. Voilà pourquoi il part. Quand tu viens à quelqu'un qui est dans une zone bohane, fi amna or, il voit l'or, camion et il dit qu'il y a eu. Mom amu ti dara. Mais quelquefois, à un moment, or bobu di polluer ndox bi xam nga monoto bay monoto def dara qu'est-ce que tu vas faire da ngay baye ce village ce ville et tu vas vers ailleurs pour essayer de trouver un mieux vivre et donc c'est un peu ça qui pousse les gens à partir tu as des gens qui sont ici à Yarakh quand ils partent c'est parce que à Yarakh tu vas au Sokhol et au large dinga gis ay bateau yo xamné des salutiers voilà ils prennent le bon poisson et donc le fils de Yarakh qui est un mole de père en fils n'a pas accès au poisson xana bu dem magodé ba Guinée Bissau wala ba Mauritanie pour avoir du poisson donc celui là Mauritanie c'est une pression parce que souvent les pères problème Mauritanie gars dañu tirer ce coup tu vois soit nga tok ci kon bi xam nga yana yo xamné dañu planer fofu ñi di jay bonne ñi di xam et donc qu'est-ce que tu fais donc tu te dis gars li gars suma bëgg jappalé sama yaay damay dem donc tu te rends compte que l'état qui devait te protéger et te redonner de l'espoir et te permettre de rêver t'enlève tous tes rêves donc tu pars dans le laisser en rare mais pourquoi à chaque fois parce que man souvent dama koy wax depuis 1960 ba légui on parle de cette unité africaine depuis 1960 nena Sénégal amna indépendance africain yu bari amna indépendance et pourquoi on n'arrive pas à avoir cette unité et on n'arrive pas peut-être développement bi nga xamné xalé yi loolu lañ soxla yang koy wax lan mo waral comportement suñu dirigeant par rapport ak lool parce que c'est un peu difficile ça fait des années pour man des siècles ñu ngi koy dundo wa mais loolu processus historique là je pense que ñu ngi avancer à l'échelle de l'histoire ça avance parce que chaque fois soy xol par exemple so gisé ben casse da ngay xol soit casse bi à moitié pleine wala casse bi à moitié vide même casse bi là mais man je préfère gis casse bi à moitié pleine manam aujourd'hui so xolé so amé ce carte d'identité CDAO mën nga circuler donc ça c'est un départ ce n'est que dans l'Afrique de l'Est il y a des zones où tu peux circuler donc les choses avancent lentement mais ça avance. Et aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique sont indépendants. Peut-être le Sahara occidental, mais bon, ça avance. Avant, on était à l'organisation de l'unité africaine. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Union africaine parce que le but est atteint, les pays sont indépendants. Maintenant, l'indépendance, elle doit être complète.
Elle doit être financière, elle doit être militaire, elle doit être économique, elle doit être commerciale, elle doit être sur le plan de la santé, on doit être indépendant, c'est-à-dire ne plus compter sur les autres, mais avoir assez d'hôpitaux. Mais c'est un processus historique qui ne va marcher que quand les peuples vont mettre la pression sur les autorités pour nous faire leur ramener. C'est ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique. Mais on va y arriver. Vous avez compris, il s'appelle DJ Audio. Cependant, le son marche. Révolution ci sou bo len déggé muy wax da ngay xamné né dafa nek nit ko xamné dafa engagé dafa net ci ko xamné dafa c'est un fédérateur. On te voit faire des voyages en Afrique partout par rapport ak ses messages. Yo lan ngay xaar cette jeunesse africaine? Non, mais le meilleur, moi, c'est ce qui se passe, qu'elle se réveille et qu'elle prenne son destin en main, parce que personne ne va venir développer l'Afrique à notre place. Donc, si chacun se réveille, si chacun se lève, si chacun se bat, on va avancer. Déjà, un titre au niveau personnel, au niveau collectif, voilà, on peut y arriver. Donc, moi, ce que j'attends, c'est que cette jeunesse soit consciente de ses responsabilités et qu'elle assume ses responsabilités et qu'elle transforme l'énergie qu'il y a sur le continent là en économie productive. Mais à la base, parce que souvent, on nous dit que peut-être ñu bëri dañ ma jang bu ñuy jangal suñu doomi c'est pas adapté à nos réalités. Jang bi nga xamné xalé yi mom lañuy jang, c'est-à-dire on est en train de jang li nga xamné xalé bi du ko gis, c'est-à-dire jangum gumba quoi. Par rapport ak lolu suñu xandaw yi nan lañ den wara tagaté pour que ñom ëlëk ñu xamné ni c'est des patriotes, parce que patriotes ñu xawna manque ci jeunesse bi. Yow selon toi lan moy solution bi par rapport ak lolu? Écoute, il y a l'éducation de l'école. Il y a l'éducation de la maison et il y a l'éducation personnelle. École, sauf que les bonnes bases, tu dois continuer de te développer personnellement. De jang tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, à Internet, on a une mana jang. Nous sommes à l'école française, mais ils sont intelligents. Bien sûr, parce ils sont instruits, ils sont cultivés. Donc l'homme se cultive. N'attends pas qu'on te donne le savoir. Va chercher le savoir partout où il sera. Voilà, la formation égale la vérité triomphe. Il faut s'armer de savoir, c'est ce que Chakanda dit. Les connaissances, c'est important. Écoutons ça. Au nom de Mia, Monamboka, au nom du frère qui est mort, il y a une minute dans le camp. Qui coule ici depuis trop de temps, trop de morts ont subi le Mumba depuis trop longtemps, trop de frères. Yo DJ Idol, pull up them tune, man, I released again. C'est déjà fait la rough and tough show, the body show, Saint Africa, Senegal, FAR, FM, yeah, 93.6, we got the trend, it's in the fire, it's just fit. Yaman, toi-même, tu sais, SS Congo, DJ Awadi, en compagnie d'un Congolais, je vois. Yeah, Tibas Kazematic, c'était mon bassiste. Yeah. Parce que son vie, je découvre ce Ben Redim, ou de Downtown Redim, pour ramener Guitant, Signam Lutan Faya, Signam Sizzla. Dis-moi, comment s'est fait cette connexion par rapport à. Parce que Guitant est aussi reggae, Yankee, Def Lurovet. Ouais, parce qu'en fait c'est un copain mon acte sound bobo et donc c'est eux qui avaient fait le rythme à Montréal. Donc et il se trouvait que c'était notre régisseur de la tournée au Canada, c'était le régisseur, il faisait chauffeur, il faisait copain et donc on faisait beaucoup de musique ensemble. Et puis un jour nuit d'em à Toronto comment quand de coup soirée mon rythme mon me déglou le rythme il faut que pose ici mon déglou. Je suis auto bi la binde sama texte. Le temps bon, on avait 6 heures de route donc et j'ai beaucoup aimé le rythme. Et donc voilà, il m'a dit s'il te plaît pose len bala ngén di ñibi Dakar donc nous poser ko et puis après mon affaire de me bête quoi impact sombi quoi. Parce que sombi bon
mun mon khalat ne li bon dañ ko def pour fo man xoluma sax ci ginaaw binnu sax affaire droit dam ko ne acca xam nga et donc voilà son bi mom dal moy moy lolu quoi yaman écoutons j'ai eu des gosses en âme dans la guerre qu'on force au parricide pas lucide les tangueurs de la califa et toi même si c'est dans le zone de microphone et si tu viens de nous prendre en cause parce que tu es sur la meilleure fréquence 93.6 l'émission s'appelle Refond Chauffe tous les mercredis elle s'appelle Nina du côté de Djepal. Merci à toi. Et vous êtes caramé tout de suite. Téléphone. Voilà, Awadi de Dem. Nous savons que nous avons besoin de poser des questions par rapport à DJ Awadi. Nous savons qu'ils sont nombreux. Légi ci kanam. Même si les rouges et des pires. Le message est tellement fort par rapport à Congo parce que xamna ni Congo bokku na ci deuk yu gëna riche en Afrique parce que Afrique centrale buñ koy wax mais lan mo waral souvent des guerres entre les noirs entre les africains et pourtant on se dit dañuy wax ay frères lañu ouais mais non ça c'est juste humain d'où africains que c'est ñoy guerre européen yangi guerre asiatique yangi guerre arabe yangi guerre mais nak bo xolé afrique le upp non justement il faut pas croire ça il y a pas tant de guerre que ça mais il y a des conflits même dans une même famille il y a des conflits mais c'est pas ça le plus important et puis souvent les conflits c'est après les conflits si les gens, on les laisse régler leurs conflits sans ingérence étrangère, oui, mais ils règlent leurs conflits et l'histoire s'écrit. Ouais. L'histoire ne s'écrit pas avec des roses, elle s'écrit avec du sang. C'est ça qui est la vérité. Il ne faut pas qu'on ait peur de voir notre sang couler. Cette révolution qui est... Voilà, non, il y a des conflits, c'est des conflits. Il y en a eu, par exemple, au Congo, c'est parce que d'autres peuples veulent voler l'or, le diamant, le coltan du Congo. L'année dernière, à cette période, on était justement dans l'est du Congo, là où il y a tous ces génocides-là. Il fallait Madame Fou pour comprendre. Donc on est allé à Goma, c'est près de Beni, la ville où il y a eu tous ces massacres. Et donc... tu comprends que souvent on veut voler à l'Afrique ses richesses. Et c'est des puissances étrangères qui nous manipulent. Mais si on nous laisse entre nous, on aura nos conflits, mais on va écrire notre histoire. Mais chaque fois, ce qui c'est Moudjakasso, sont la carte du pétrole et des matières premières, tu comprendras que c'est la carte des conflits et tu comprendras que ceux qui alimentent ces conflits sont les puissances étrangères qui veulent voler nos matières premières. Mais tu as raison de Ragal, pour Ragalon Damadov. On a intérêt à avoir peur. On a intérêt à avoir peur parce que je te dis, si tu regardes la carte du pétrole, c'est la carte des conflits. En parlant de pétrole, en parlant de conflits, comment tu vois cette politique mondiale, surtout la politique africaine à l'endroit de l'Occident? Il n'y a pas de politique africaine à l'endroit de l'Occident. Ça n'existe pas. L'Europe a une politique pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas de politique pour l'Europe. Nous, on ne peut rien proposer. Donc. Non, on ne propose rien. Nous, on consomme. On n'est malheureusement que des consommateurs. Et même les prix de ce qu'on nous, on vend, c'est qu'ils décident, nous, ils décident les prix. Donc, pour le moment, on n'a rien à proposer. Mais on peut inverser la tendance. Aujourd'hui, la Chine a inversé la tendance. L'Inde a inversé la tendance. La Turquie a inversé la tendance. Pour gomme ce bop inverser la tendance. Légui nan lañuy def ñun aussi ba inverser cette tendance parce que on a parce que souvent dañ nan Sénégal bo xolé jeunesse bi mom mo up mais on n'arrive pas peut-être il y a tellement de difficultés que xalé yi mënuñu peut-être cette patriotisme man may wax sank mënuñu def ba mëna inverser tendance bi lan mo waral lolu non da ngay toujours da ngay projeter où à l'échelle de l'histoire affaire gaay ñu ngi commencé yew gaay ñu ngi commencé xex sen droit so lycée Sénégal am nañ deux alternances pourquoi il y a eu deux alternances les jeunes se sont levés ils ont dit ñun li lañ bëgg té lolu mo mujjé am au Burkina Faso jeune yi dañu jog dakk ben dictateur en Tunisie ñu dakk un dictateur Égypte, nous avons un dictateur, donc nous sommes là. On a l'impression que Gaïa est là, mais Gaïa est là. Yaman Gaïa est là, vous avez compris, il s'appelle DJ Awadi, écoutons ça. Sabara Mangolé Gaïa, Soumane Meïba.
feet, I'm the fake, I'm the nanan. Yak there, subak mondo, talk my bay man. Nakal di wak sonon, subak to talk my tay man. Hip hop love money, take money, babe. Yeah man, danan. Danan, c'est une façon de répondre à beaucoup de choses. Non 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 lolo ego trip la rek ko xam rek lolo mom ci ram bi le bok xam tata na ngay bakku na ok wa wax sa bop wa da na ko ci te wona ga mais aussi une façon de rendre hommage je pense que à Omar Penn parce que et ça c'est le plus important dans le titre parce que man tout le monde sait hein baye Penn mom la gëna fan bok na ci ñuma gëna fan en tout cas ci musique sénégalaise depuis dafa yag jappalé yag encourager et puis quelque temps avant ça dafa defon ben morceau bo xamna il m'avait à la fin il m'avait rendu hommage. Okay. Donc je me suis dit bon, damay fayou quoi. Vraiment. Voilà, damay fayou. Yeah man, écoutons ça. Setan jeki jeki retan ku nek ci yonu yalla do tit job setan il faut ñu nangu boy tal bu yalla tal tal bu yalla tal ku ci ku dem kal hip hop bees our d never blow hip hop trees our d never low hip hop speed our d never slow hip hop stage our d super show lidu follow mo xol ngeen di plané boy rap sound noble do dog ngeen di yak boy lidu chaxan sama life la ci tech boy 80 bob tay ni jadu na ma alu boy MC xew na fi MC fay na fi MC ñew na fi benen MC dem na fi MC am na fi benen MC perte fi ñaata MC ñew fi jaar tay gi ma ngi ni ba fi. Et vous avez compris, vous êtes sur la meilleure fréquence de la bande FM de la zone de microphone and every jingle day I just want to rock the microphone. Écoutons ce qui vient de l'air atom. J'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans les affaires privées, quand ils vont en Somalie, où est le respect de la dignité. Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter, dis-moi, de telles atrocités? Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là, ancrées. J'accuse. Je bouge d'être un véritable... Mais dis-moi, j'accuse. Quoi accuser? Il n'y a pas l'air accusé. Je n'ai pas accusé Samba, pourquoi, tu vois? Bah, écoute, c'est pour pousser les gens à la réflexion. Il y en a eu quelquefois, il faut accepter de réfléchir, il faut accepter d'ouvrir son esprit et il faut accepter de critiquer tout ce qu'on voit autour de nous. Tu vois, il faut faire des critiques objectives de notre société. Comme, il ne faut pas prendre tout ce qu'on te donne pour garantie. Donc voilà, j'accuse, ça passe de George Bush à la France, à l'Afrique, aux jeunes Africains, comme à moi-même, parce que nous tous on fait des erreurs, mais il faut poser les bonnes questions et il faut ouvrir des réflexions. J'accuse. Dis-moi, comment tu vois cette politique gouvernementale surtout le Sénégal, politique par rapport à que on a eu peut-être deux mandats par rapport à que le nouveau président qui est là, je le dis sur le nouveau parce que Demagoul. Dis-moi, lan nga xalat ñom si li ñu def yaang ci gisse bop parce que déjà corona baangi fi metti na. Comment tu vois cette politique gouvernementale du Sénégal? Bon, la question est vaste. La question est très vaste. Moi, je pense que personnellement, Lee, il est à son dernier mandat. Donc, si c'est la question que tu veux poser derrière, Poman, il est à son dernier mandat. Donc, ça, c'est réglé. Maintenant, voilà, on a. Est-ce que Manki Gisembop? Non. Comment je. Nakalaï Mona Gisembop, alors que je ne travaille pas depuis un an. Donc, Gisuma Gisembop pour le moment. Mais je veux dire, Coronabi fait pas la dalle. Donc, aussi, il faut regarder les choses froidement. Corona a fait pas la dalle, donc il faut que nous on apprenne à se réinventer aussi quoi. Donc voilà, mais maintenant c'est vrai qu'en ce moment c'est très dur et quand on a vu tout ce qui s'est passé hier dans la rue, c'est très compliqué quoi. Tu te rends compte en parlant de ça, parce que c'est quelque chose qui est arrivé que Sénégalais pour Gisnenko, il y a ce point de vue par rapport à Dembou Gisnenko vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y a l'anmoi si c'est Djangat. Non, ça c'est des réactions, c'est spontané. Donc voilà. Mais
Maintenant, sur le fond, moi, je me demande à qui profite les crimes, quoi. Si jamais il y a crime, à qui profite les crimes. Ouais. Mais en tout cas, voilà, la question, il faut bien la poser, quoi. Mais bon, ça m'a fait un peu rire quand on me dit qu'une personne se fait violer plusieurs fois. Tu ne dis rien, on te viole avec des armes. Et puis, donc voilà. Donc, mais comme je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est très difficile d'en parler. Mais en tout cas, c'est difficile de croire qu'une personne accepte de se faire violer à plusieurs reprises. Sans rien dire quoi. Donc, c'est extraordinaire. C'est très difficile à croire. Si tu avais par exemple un message à l'endroit de cette jeunesse sénégalaise, à l'endroit de cette jeunesse africaine, quel message galère de dire? Écoute, il faut prendre conscience de ses responsabilités, assumer ses responsabilités et n'attendre personne. Personne ne sera le Messie, personne ne sera le nouveau prophète. Le nouveau prophète, le nouveau Messie, le nouveau leader, c'est toi. Donc, c'est moi, c'est toi. Voilà, il faut que nous nous battions. Nous nous battions, voilà, tu t'en sors. On est presque à la fin de l'émission, il reste que quelques minutes, vraiment, ça fait un plaisir. Non, que Madalala. Les projets à long terme, ce dernier album Guinna, vraiment nickel, nice. Projet, c'est quoi maintenant? Bon, les projets pour le moment, on fait des émissions télé parce que comme on est ensemble, voilà, donc on fait des émissions télé, voilà, et puis on écrit un livre, on écrit le film, et donc pour le moment, surtout dans l'audiovisuel, production de contenu, voilà, et puis. Donc il y a une émission qui s'appelle Sénérap que je tourne. Nous y tournons la deuxième saison. Il y a une émission qui s'appelle Sargal qui a démarré samedi dernier. Qui est très très intéressant, je l'ai suivi. Voilà, il y a une autre émission qui s'appelle C'est ça qui est la vérité aussi. On va recommencer à tourner dans l'Afrique. Mais bon, c'est vrai qu'à voyager time. Donc on a voyagé trop parce que dans les mois du corona, comme d'autres nous allons. Dans les mois du corona, je m'en tape et j'assume. Les gens, on a une solution. Il y a quand même peut-être un peu de proposer gouvernement par rapport à nous nous menons peut-être James Hall prison sargebi. Non, chacun de nous doit connaître sa place. Man sans là, il ne comme fait pour les gens. Mais tu as ta voix. Waouh, j'ai ma voix. Mais une solution par rapport au corona. Par exemple, couvre-feu, bi niñ ko défé ni, est-ce que ça arrange ñi nga xamné peut-être ñoy liggéey goudi? Non. Mono def couvre-feu té oui, ma gérer au marché yi. Gérer au transport en commun, pour moi, ça n'a pas de sens. Oui, mais la mesure serait intéressante si on veillait au respect des mesures dans les marchés, dans les écoles, dans les transports en commun. Mais tant qu'il n'y a pas ça, couvre-phobie, ça n'a pour moi aucune forme d'impact. Merci DJ. Merci beaucoup encore une fois. On aura l'occasion peut-être nga ñëwaat ci ci kër gi. Donc ñu lay dal di la remercier parce que xamna ñi temps bi bëri wul. Jaajeuf. Donc Yalla na Yalla def jamm. Amen. Yalla yok xewal. Ubi buntu wërtek. Ça fait plaisir. Respect DJ. Jaajeuf. Yeah man. See you.
Idol, pull up them tune, man, and released again. Since Jah defender, the rough and tough show, the body show, saying Africa, Senegal, FAR, FM, yeah, 93.6, we got the trend. It's in the fire, it's Jah defender. Jack, you're on Egyptian. Just begun. More times to life. So much more. Yes, I'm back on the studio, vous avez compris. À présent, il est 16h passé de 52 minutes. Il était là avec nous, l'incontournable cependant, Mr. DJ Awadi Baifal Nenal de Tang, Jerola Krefaisil. Il s'appelle Mr. Homme Gay du côté de Fasmba ou Sikamba. Fofle de Defina Homme. Baifal Defina Mugi Kour de Tang, Jerola Krefaisil. Yaman on the place to be, l'incontournable Jaku. Xam ngeen fan yu neew, gaay dañ nan Saint Valentin. Valentine Day, love is so beautiful. You see me? Talk about cheap shango, fine rasta. Rasta never lost. I was born a real rasta. Become and fertile, the African queen. Rastafari happy multiply, whole leap. And so me seed, rasta believe clean. So the youngsters can learn good from me. The king has seen, the king has seen clean. Every liar, every thief, you criticize me.